très chers abonnés téléspectateurs de la chaîne Génor TV, je vous dis encore merci pour votre fidélité à notre chaîne qui n'est pas seulement la nôtre mais qui est aussi la vôtre. Je suis content de la façon dont nous sommes en train d'évoluer avec vous. Chaque fois quand vous voyez nos liens, vous ne cessez de les partager. Vous faites aussi abonner d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé pour le faire, mais si vous le faites, c'est par amour, comme j'ai toujours dit. C'est parce que vous aimez ce que nous faisons et vous nous aimez, nous également. Comme nous aussi, nous vous aimons. Nous avons beaucoup d'abonnés, nous avons beaucoup de partenaires qui nous soutiennent au Congo ici, en Europe, aux États-Unis, en Inde, partout, parce que nous recevons des appels de partout. Voilà pourquoi nous sommes rassurés que nous avons des gens qui nous suivent. C'est ainsi que nous sommes obligés d'être là toujours. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur ce plateau ici. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas venir ici, mais c'est parce que j'étais en déplacement. Voilà pourquoi j'étais un peu invisible. Alors je suis là. Nous allons aborder quelques questions aujourd'hui comme d'habitude, mais nous serons plus focalisés sur le service national que nous appelons communément Kanyamakasese. Je vais essayer un peu d'épiloguer sur ce service national parce que nous avons certains Congolais qui ne font qu'attaquer ce service national-là. Alors là, je me pose la question de savoir qu'est-ce que les Congolais aiment au juste? Qu'est-ce que les Congolais cherchent au juste? J'ai comme l'impression que nous avons un peuple qui aime une chose et son contraire. C'est ça. Donc, tout ce que Félix fait pour les Congolais, c'est toujours mauvais. Le même service national ici a existé du temps de Musée Laurent-Désiré Kabila. Je crois que c'est lui-même l'initiateur de ce projet. Mais cette fois-là, ce service n'avait pas de succès qu'il a aujourd'hui. Musée a créé, mais lui ne l'avait pas trop activé. Mais c'est une autre personne ou un autre président qui va l'activer. Au nom du principe de continuité des services publics. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas comment l'État fonctionne, comme je l'ai toujours dit. C'est comme je vis notre ex-première dame, à qui j'ai beaucoup d'estime. Je l'ai vu la fois passée en train de critiquer le chef de l'État pour les projets de maisons des militaires que le chef de l'État avait construites. Je vis notre première dame, ex-première dame, en train de condamner Fatshi. Il dit il y a des jussaires qui n'ont pas de projets, mais qui ne sont là que pour se réjouir des projets de mon mari, les projets que mon mari avait initiés. Madame, vous savez, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup votre courage. Oui, je vous encourage, tout ce que vous faites, c'est bien, malgré l'intention. Mais dès lors que ce sont des Congolais qui en bénéficient, j'encourage ça. Je vous dois beaucoup de respect, Madame Olive Lembe, l'épouse légitime de notre ancien président Joseph Kabila Kabange. Mais par moments, j'ai comme l'impression que madame ne comprend pas ce qu'elle fait. Excusez-moi de le dire comme ça. Madame ne comprend pas ce qu'elle fait par moments. Elle fait beaucoup de déclarations qui semblent être bizarres. Voilà. Nous avons des professeurs dans ce pays. Nous avons des étudiants, nous avons des scientifiques, les gens qui comprennent comment l'État fonctionne. Et quand Madame Olive Lembe tient des propos comme ça, ça devient vraiment compliqué. Ça devient trop compliqué, Madame. Parce que vous étiez avec votre cher époux, Joseph Kabila, au pouvoir pendant 18 ans. Vous êtes censé comprendre quand même comment l'État fonctionne.
Vous devez avoir un prérequis de fonctionnement de l'État, madame, en droit public, en droit administratif, il y a un principe qu'on appelle le principe de continuité des services publics. Le projet peut être initié par Joseph Kabila. Il était président de ce pays. Il avait le mandat de 5 ans renouvelable une fois qui a été renouvelé. Il a consommé tous ses deux mandats et maintenant il est devenu sénateur à vie. Nous le respectons, nous le protégeons. C'est un élément du patrimoine national. Nous devons le protéger. Moi, j'ai toujours soutenu que Kabila soit au Congo. Parce que nous n'avons jamais vu ça au Congo depuis que nous sommes nés, depuis que la RDC est RDC. Nous n'avons jamais vu un ancien président vivant qui vit au Congo. Nous ne l'avons jamais vu. Donc, Joseph Kabila, votre époux, est le premier. Voilà pourquoi... Moi, je suis de ceux qui sont contents quand un ancien président est en vie et quand il vit au Congo, je suis de cette école. Mais je m'inscris en faux par rapport à vos propos. Kabila n'était pas aussi mauvais que tout le monde pouvait le penser. Il a servi la nation, il est parti, il nous a laissé le pays. C'est une autre personne qui a pris le pouvoir, il dirige le pays. Et il a trouvé le projet que votre époux avait initié. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez que Félix laisse ce projet et qu'il initie aussi les siens à son tour? Et quand il va quitter le pouvoir, et c'est lui qui viendra, s'il emboîtait le même pas, qu'est-ce que ce pays deviendra? Projet de gratuité de l'enseignement. Oh, c'était le projet de mon mari. Oui, c'était votre projet. Mais la mise en exécution... poser des problèmes. Il y a beaucoup de projets que Kabila a laissés. Bien sûr, il y en a d'autres qu'il avait exécutés, effectivement. Mais ceux qui n'étaient pas totalement exécutés, mais son successeur peut les exécuter. Où est le problème, madame? Le projet Kanyamakassé, c'était le projet de Mouzé. C'est lui l'initiateur. Mouzé est mort, assassiné. Votre époux a eu le pouvoir pendant 18 ans. Ce projet était là. Nous avons connu les Koulouna ici qui étaient tués à bout portant comme ça. Il y a eu des fausses communes à Maloku, des Koulouna tués. Il y a eu des cadavres qui étaient ramassés dans les fleuves, des Koulouna qui étaient tués là-bas. Vous connaissez l'histoire. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui prône l'état de droit, qui reconnaît les droits de ces Koulouna-là, qui reconnaît que c'est parce que les Koulouna-là ne font rien, ils sont désœuvrés, ils sont sans emploi. C'est ça l'élément causal. C'est-à-dire que ce n'est pas un élément endogène, mais c'est un élément exogène, extrinsèque, qui font que ces gens prennent des machettes, qui dissèquent d'autres compatriotes. Alors, le président, tu sais qu'il dit, il a pensé à ces... à ces Koulouna qui autrefois passaient nuit à la Belle Étoile, disséquaient d'autres Congolais, semaient la panique dans la ville de Kinshasa, au Congo d'une manière générale. Il a pensé à ses enfants. Il les a récupérés et il les a envoyés à Kanyamakassé. Il a réactivé ce projet-là qui était initié par Mouzé. Et ça marche correctement. Alors, correctement. Mais pourquoi certains Congolais ne sont pas contents? Moi, je me pose des questions par moment. Ils sont piqués par quelle mouche? Pourquoi ils ne veulent pas tout ce que Félix fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment condamner Félix d'avoir réactivé les projets Kanyamakassé? Nous avons des écoles qui sont construites aujourd'hui. Des bâtiments qui abritent certaines écoles. Qui sont construits aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont en train d'être construits. Nous avons des champs, des projets agricoles exécutés par ces Koulouna, ces anciens Koulouna là. Mais lorsque les Congolais vous parlent du social, ils ne voient pas d'autres choses. Ils ne voient pas la gratuité, ils ne voient pas des hôpitaux qu'on est en train de construire, des écoles. Lorsque les Congolais vous parlent du social,
les foufous, la nourriture. C'est ça dans l'imaginaire collectif congolais. Maintenant, nous avons un service national qui exécute les projets agricoles de grande envergure. Dans 5 ans, si on gardait très bien ce patrimoine ici, dans 5 ans, vous pensez que nous allons encore mourir de faim dans ce pays? J'ai dit non, parce qu'avec service national, nous n'aurons pas encore la faim dans ce pays. Les Congolais ne vont pas encore faire ces discours-là. De réclamer les foufous, de réclamer les pains, tout ça auprès du président de la République. Ce qui est déjà révolu dans d'autres pays. Moi, je suis parmi ceux qui soutiennent ce service national. Je suis parmi ceux qui les soutiennent. Le général Jean-Pierre Kasongo, je suis parmi ceux qui les soutiennent. J'ai vu le président Fatshi les remercier et les bénir. C'était dans une réunion avec les militaires. Il l'a félicité et il l'a en plus béni. Quand un chef de l'État bénit un général, ça ne vous dit rien. C'est-à-dire qu'il est convaincu de ce qu'il a fait, de ses services nationaux. Je vais vous balancer quelques images ici des services nationaux, mais laissez-moi d'abord faire des commentaires. Nous avons certains détracteurs de Félix Tshisekedi qui propagent certaines informations faisant mention des militaires qui se lancent dans des jets d'arrêter involontairement les jeunes. Qui ne sont même pas des Kuluna, parce que dans l'imaginaire collectif des Congolais, ils pensent que ce service-là a été créé pour les Kuluna, ces enfants-là des Évrés, ces enfants qui passaient nuit à la Belle Étoile autrefois. Mais je vous informe que ce service n'a pas été créé pour les Kuluna. Ce service existe en Tanzanie. Moi, j'ai fréquenté Tanzanie plusieurs fois. Il y a ce service. Ouganda, il y en a, service national, il y en a. Moi, j'ai vu de responsables qui sont engagés dans ces services nationaux en Tanzanie. Ils sont payés par l'État. Ils ont des matricules. Ce n'est pas mauvais comme vous pouvez le penser, hein, mais mes amis. J'étais avec quelques autorités des services nationaux. J'étais avec eux. J'ai eu à discuter avec eux pour qui m'explique un peu la quintessence, la portée des services nationaux. J'avais compris que ce service va réaliser beaucoup de choses dans ce pays. Beaucoup de choses dans ce pays. On ne prend pas à force ces jeunes désœuvrés comme vous pensez. Je parle d'abord de Kananga. Kananga d'abord. Parce que j'étais là, j'étais avec eux à Kananga. Quand ils étaient arrivés là-bas, je suis allé les rencontrer à l'hôtel là où ils étaient logés. J'ai eu le temps de discuter avec quelques-uns parmi eux. La plupart des jeunes garçons et jeunes filles qu'on a pris à Kananga, ils étaient venus volontairement. Nous étions là. On ne les avait pas pris par force comme vous le dites, messieurs. On ne les avait pas pris par force, ils étaient venus volontairement se livrer. On les a pris comme ça, ils voulaient servir la nation. On les appelle bâtisseurs, c'est-à-dire ils sont là pour servir la nation et ils sont payés pour ça, en contrepartie. Mais il y a des commentaires par-ci par-là, il y a des spécialistes, parce qu'au Congo c'est ça, tout le monde est spécialiste. Des gens qui pensent qu'on prend ces jeunes indépendamment de leur volonté, sans leur consentement. Non, c'est consenti. C'est consenti. Ces jeunes viennent eux-mêmes. Moi-même, je suis là. Combien de jeunes que j'ai reçus qui viennent me contacter pour que je les introduise là-bas. Et donc, je vous dirais que ce service-là est pour l'intérêt public. Ils construisent 2 écoles à Kananga, contrairement à ce que
les détracteurs de Félix disent, il y a deux écoles jusque-là que ces services construits à Kananga. L'une est à Nganza et l'autre à Kanyuka, pour ceux qui connaissent bien Kananga. Moi, j'ai posé cette question à l'un d'eux, de savoir est-ce qu'ils ont tout le matériel. Ils m'ont dit oui, ils ont tout, tout. C'est-à-dire dans quelques mois, dans 3-4 mois, ça sera fini. Parce qu'ils ont tout. Et j'aime bien leur construction. C'est comme la construction de l'époque des Belges. C'est propre. C'est très propre, vraiment. C'est pas bizarre. C'est propre. Ils le font très propre. Je vais demander à nos maestros qui sont derrière nos caméras de pouvoir nous balancer cette image-là des écoles qui sont en train d'être construites à Kananga, de Nganza et de Kanyuka. Comme ça, vous allez voir et nous allons revenir après avec des commentaires. Voici à quoi ressemblent quelques écoles à Kananga dans le Kasaï central. Un bâtiment qui tient à peine debout, une autre partie faite en paille, pas de banc. C'est ici où l'expression « s'asseoir à même le sol » prend tout son sens. Mais dans 2 mois, une école pareille va céder la place à ce type d'établissement scolaire. Des bâtiments construits en matériaux durables. Situé dans la commune urbano-rurale d'Onganza, l'ouvrage est une réalisation des bâtisseurs du service national. Issus pour la plupart de la première vague des Kuluna transférés à Kanyamakasese, ces bannis d'hier sont devenus une fierté pour toute une province, toute une nation. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train d'évoluer normalement comme prévu. C'est pour ça que je suis en train de féliciter le général Kasongo. À Kananga, il n'y a pas que Nganza qui bénéficie de l'expertise de ces ex-délinquants. Il y a aussi Kanyuka. Ici, une autre école est en construction. Au regard des avancées, le commandant du service national se veut confiant. Pour le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik, conformément aux instructions du chef de l'État, les enfants de cette partie du pays pourront, dès cette année scolaire, étudier dans des bonnes conditions. Dans les 2 mois qui arrivent, vous allez trouver des écoles qui sont prêtes à accueillir les enfants pour l'année scolaire 2022-2023. Ces écoles vont comprendre 12 salles de classe, un bloc sanitaire, un bureau de directeur, une salle de prof, un terrain de basket pour ne citer que cela. Ils seront équipés des bancs et tableaux made in Kanyamakasese, c'est-à-dire fabriqués par les bâtisseurs. Voilà, je pense que vous avez vu cette image-là. J'ai posé la question à l'un d'eux, il m'a dit, dans 2 ans, 3 ans, nous aurons plus de 10 écoles ici, à Kananga, construites par les services nationaux, comme ils le font à Mbujimayi et à Lubumbashi. Vous voyez, je m'inscris en faux par rapport à tout ce que vous dites, les informations que vous propagez contre les services nationaux. Le service national, c'est un bon service. Je vais demander encore à notre équipe technique de nous balancer une autre image des jeunes garçons qui chantent même pour ce général Kasongo. Vous allez voir ces images-là, comment ces enfants sont joyeux, ils sont vraiment ragaillardis, ils ne sont pas tristes. Parce que s'ils n'étaient pas contents, ils n'allaient pas vraiment manifester cette joie que vous allez voir. Nous voilà,
4e bataillon. 4e bataillon. Voilà, vous avez écouté comment ces jeunes gens chantent pour le général Kasongo. Ça prouve à suffisance qu'ils ne sont pas contre ce que l'État fait avec eux. Ils sont pour. Ils ont consenti. Est-ce que vous avez vu parmi ces jeunes qui chantent là un mineur? Non. Tous sont majeurs. Mais qu'est-ce que vous dites? Oh, on est en train de recruter les mineurs. Les mineurs de moins de 15 ans, moins de... Non. Ne soyez pas cruels jusqu'à ce niveau. Non. Tous ces jeunes gens que vous voyez là, il n'y a aucun mineur là-bas. Alors, aucun. Tous sont majeurs. Quand vous avez un jeune de 18 ans, est-ce qu'il est mineur? Parce que la majorité, c'est déjà... C'est à l'âge de 18 ans. La minorité, c'est en deçà de 18 ans. Mais tous ces jeunes que vous voyez là-bas, est-ce qu'il y a un jeune là de moins de 18 ans? Il n'y en a pas. Ils sont contents de ce que l'État fait avec eux. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous pose une question. Entre celui qui les tue et celui qui les embauche, qui est mauvais? Entre Fatshi, entre Kabila qui tuait les Kuluna, qui ne savait pas quoi faire avec, et Félix qui les embauche, dites-moi qui est mauvais, qui est si cruel? Est-ce c'est Fatshi ou Kabila? C'est là que je comprends la mauvaise foi des Congolais. Quand vous attaquez Félix, qui a embauché ces Kuluna qui vous tuaient autrefois, quelqu'un va me dire, mais n'est pas encore terminé. Oui, ce n'est pas du jour au lendemain que cela va prendre fin. Il faut que ça prenne du temps. Ils sont nombreux. Il y en a d'autres encore qui s'improvisent. Kuluna pour être pris aussi à Kinshasa, partout. Il y en a d'autres qui s'improvisent. Kuluna pour être pris. C'est comme ça qu'on a instauré le système de volontaires. Au lieu de les prendre par force, voilà, on a ouvert maintenant la porte pour les volontaires qui veulent aussi intégrer les services nationaux, devenir. Épargnez-nous de ces sottises-là, s'il vous plaît. Dans 10 ans, moi, je pense que ce service national fera des exploits dans ce pays. Parce que dans toutes les provinces du Congo, il y aura des antennes de services nationaux. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Par ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là-dedans. Ils m'ont dit ça. Dans toutes les provinces ici du Congo, il y aura la présence du service national. Bozo linga nzali sila. Bozo linga batonga ba école. Nazoka batebele na ba journaliste, bazo tuna batebele ba question. Ngai mokope na tuna rapé ba question. Tant tu emba rapé ba invité, tozo ka ono Félix atongi ba école, ba hôpitaux. Vous pouvez nous montrer là où il en a construit? Il y en a ceux qui balbutient, ceux qui manquent la réponse à nous donner. Oui, il y en a. Maintenant que le service national est en train de construire ces écoles, vous voyez comment ça se passe?
Vous avez condamné l'État, vous avez condamné le gouvernement quand il avait mis en applicabilité la gratuité de l'enseignement primaire. Oh, il était parti vite en besogne, il ne pouvait pas faire ça. C'était Lukamba et Félix cette fois-là. Ils étaient partis vite en besogne, ils ne pouvaient pas laisser comme ça. Il faudrait qu'ils attendent un peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bâtiments qui abritaient les écoles de l'État. Et la plupart étaient des catholiques. Il y a eu des commentaires comme ça. Maintenant qu'on est en train de construire ces écoles-là par les services nationaux des Congolais, il y a encore des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez dans tout ça? Vous voulez que Félix croise les bras? Vous voulez qu'il ne fasse rien pour que vous continuiez à l'insulter, à le critiquer? Vous voulez qu'il fasse quoi concrètement? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous condamnez, c'est bien, mais il faut par moment proposer aussi. Quand vous condamnez, c'est bien, vous condamnez au nom de la démocratie. Nous disons amen. Vous condamnez. Quand ça ne marche pas, oui, vous condamnez. Mais alors, quand ça marche, qu'est-ce que vous dites? Voilà, qu'est-ce que vous dites? Quand ça marche, vous dites quoi? Est-ce que vous applaudissez? Est-ce que vous encouragez? Ne serait-ce qu'un encouragement? Est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Alors, comment est-ce que nous pouvons considérer ce que vous dites? Non. Nous allons toujours continuer à les soutenir. Parce que vous ne proposez absolument rien. Vous condamnez tout ce qu'il fait. Même les services nationaux ici. On ne vous a pas dit qu'il y a Kananga, il y a des maïs, des Kanyamaka Sese. Kananga est inondé, des maïs, des Kanyamaka Sese. On ne vous a pas dit ça? Répondez. On ne vous a pas dit qu'il y a Kananga, il y a des maïs, des Kanyamaka Sese. Bien qu'il y ait un fait que nous allons condamner, nous demandons au gouverneur du Kassa Central d'ouvrir beaucoup de sites de vente. Parce que jusque-là, Nami me dit que c'est 4, parce qu'il est en train de chercher un sac de maïs de Kanyamaka Sese. Ça fait 4 jours que Mimpe était sur le terrain. Chaque fois quand nous avions besoin d'elle pour qu'elle vienne servir la nation, elle était sur le terrain en train de chercher le maïs de Kanyamaka Sese. Alors, nous n'avons que 4 points de vente. C'est ce que Naomi me dit là-bas. Et le sac se vend combien? 41 000 francs. Et cher gouverneur, parce qu'il y a encore d'autres wagons qui viennent, vous pouvez créer encore d'autres points de vente par-ci, par-là. Kanangé est gigantesque. Nous avons Nganza, nous avons Lukonga, nous avons Katoka, nous avons Ndesha, nous avons tout ça. Mais vous pouvez encore ouvrir d'autres points de vente par-ci, par-là. Là où les Kanangais peuvent aller facilement trouver les maïs de Kanyamaka Sese. Sinon, les détracteurs de Fatshi, ils vont rebondir. Cher gouverneur John Kabeya. Et il y a encore quelque chose. En tout cas, c'est pour ça que je vous félicite, cher gouverneur. Nous avons encouragé et puis nous avons fait merci pour la décision. Wana. Imaginez que... non, mais... Vous pouvez imaginer que Kanyamaka Sese nous envoie les maïs à Kananga et nous avons des commerçants, les fils du terroir, qui achètent ces maïs-là en quantité commerciale pour aller revendre ça dans leur dépôt. Cette fois-là, ils rehaussent les prix. Est-ce que c'est encore le chef de l'État qui fait ça? Est-ce que c'est le gouverneur John Kabeya qui fait ça? Est-ce que c'est l'Assemblée provinciale de Kananga qui fait ça? Les commerçants qui partent acheter ces maïs pour aller les revendre. Tout ce que l'État fait, c'est pour l'intérêt général. Tout ce que les commerçants font, c'est pour l'intérêt partisan, l'intérêt mesquin, l'intérêt particulier. Les particuliers sont des mercantilistes. Tout ce qu'ils font, c'est pour se procurer des intérêts. Mais quand l'État travaille, il travaille pour l'intérêt public. Alors je félicite le gouverneur John Kabeya de l'initiative qu'il a prise, de descendre sur le terrain et de commencer à traquer tous ces escrocs que je peux appeler ici escrocs. Ils aiment l'argent plus que la population. Il descend sur le terrain lui-même, il les arrête, il récupère le maïs et ces gens perdent leur argent. Cher gouverneur, je vous félicite. Merci.
Je vais maintenant parler un peu de la cour d'appel, là où nous étions avant-hier avec Naomi. Je pense que vous aviez vu ces images-là. La cour d'appel du Kasaï central. C'est-à-dire, c'est cette cour qui chapeaute le pouvoir judiciaire au niveau provincial. Le premier président de cette cour ici, il est membre du conseil de sécurité au niveau provincial. Il est membre là-bas. Mais écoutez, est-ce l'argent qui manque dans la province? Est-ce l'argent qui manque au niveau national? Ou c'est tout simplement le manque de bonne volonté? Comment vous pouvez laisser ces bâtiments ici, les bâtiments que les Belges nous ont laissés, un bon bâtiment, un bijou de la province, vous les laissez délabrer comme ça? Je vis les fonctionnaires qui servent l'État là-bas. Vous aviez suivi les interviews que nous avions faites avec eux. Eux-mêmes déplorent les conditions dans lesquelles ils prestent. Ils ont introduit beaucoup de demandes sans suite jusque-là. Je vais faire des bruits comme j'ai promis. Jusqu'à ce que les autorités compétentes vont s'intéresser à ces bâtiments. Kananga, à l'époque, c'était une ville bien construite où il y avait beaucoup de Belges, de Blancs. Pas seulement des Belges, mais d'autres Blancs, des Blancs des autres pays qui vivaient à Kananga ici. Il faut voir les bâtiments que j'ai vus à Kananga. Vous prenez le gouvernorat. Vous prenez les bâtiments qui abritent la cour d'appel. Vous prenez, il y a encore quoi? En fait, il y a beaucoup de bâtiments ici, je vous dis. Mais pourquoi vous ne voulez pas, ne serait-ce que réhabiliter? Vous pensez seulement construire d'autres bâtiments? Mais ce que vous avez, vous ne les protégez pas, vous ne les réhabilitez pas. Vous pensez que ce que vous allez construire seront bien protégés? Je ne crois pas. Parce que dans les chefs de nos autorités, il n'y a pas cette culture de réhabilitation. Il y a des projets que vous avez trouvés, que votre prédécesseur avait initié. Et quand vous arrivez là-bas, non, vous mettez ça à côté. Vous prenez aussi vos projets. Vous êtes aujourd'hui président de la République. Il y a des projets que votre prédécesseur a laissé et vous arrivez au pouvoir, vous prenez ces projets, vous mettez à côté et vous initiez aussi les vôtres. Non. Aimons notre pays. Merci, nous sommes arrivés à la fin. C'est tout ce que j'avais pour vous dire pour la journée d'aujourd'hui. Je vous dis merci, nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit merci à Naomi Mimpe et à Stani Kankou qui sont derrière nos caméras. Je leur dis sincèrement merci. Je souhaite un joyeux anniversaire à Netia Mukingela. C'est son jour. Elle fête son jour aujourd'hui. Je voulais te chanter, mais ma voix est rock. Je ne sais pas chanter. Mais je te souhaite un joyeux anniversaire. Vous nous soutenez. Vous soutenez Genre TV. Vous êtes considéré comme partenaire de cette chaîne. Netia Mukingela, une très belle fille. Mundela Mama, merci. Profitez de la journée. Joyeux anniversaire encore. Bisogno Sokip Mubimba. Ya Genor TV. Toyembelio. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et à la prochaine.